bienvenue dans Plus ou moins geek, le seul magazine qui revient sur plus de 50 ans de culture geek en 52 minutes. Pour vous mener dans ces univers complexes, nous avons réuni une belle bande de chroniqueurs, ne vous inquiétez pas, avec notamment, avec son petit accent du sud quand elle s'énerve, RL, son petit accent de Bordeaux quand il s'énerve, Laurent Kessy, son accent de Perpignan bien marqué, monsieur Seborassia, qui a le même que monsieur Frédéric Molas, et un accent circonflexe avec monsieur Rurik Salé. Mais nous ne sommes pas seuls en plateau, nous avons également Albert pour nous accompagner. Albert, tu vas bien ? Que vous êtes élégant, beau et fort aujourd'hui. C'est un peu moi qui l'ai programmé, c'est pour ça qu'elle parle comme ça. Et justement, le rôle d'Albert, ça va être de lancer certaines vidéos au cours de l'émission. Et d'ailleurs, je vais lui demander de nous mettre en duplex live préenregistré avec monsieur François Descraques. François qui, cette année, vous présentera plusieurs talents web. Ah ben, il a l'air très occupé. En parlant justement de ce que vous allez voir dans l'émission, tout de suite, un sommaire en images avec du son. C'est parfait pour la télévision. Au sommaire de Plus ou moins geek, vous découvrirez Code Quantum, The Host, Discworld, Harlan Ellison, Stéphane en mode survie, l'interview carrière du dessinateur Enrico Marini, Yumi, une enquête geek, la talentueuse ferme Jérôme, et enfin la shopping list. Mais repartons auprès de nos chroniqueurs préférés. Si j'osais, je commencerai avec le meilleur autour de cette table. Ah bah tiens, je vais le faire. Rubrique série télé avec David. Pour ma chronique, je vais vous emmener au cœur d'un petit souvenir, les après-midi d'M6, avec les petites séries qu'on regardait parce que moi, personnellement, je ne pouvais pas aller à la natation parce que je ne savais pas nager. Je vais vous emmener au cœur de Code Quantum pour notamment vous dire qu'on se fout de 90% de la série, mais il n'y a que 10% qui sont absolument géniales. D'ailleurs, Albert, je vais te demander de lancer le générique de l'époque. Tout a commencé à l'époque où je dirigeais une expérience de voyage dans le temps, appelée Code Quantum. Lors de cette expérience, une horloge cosmique déréglée me fit passer de l'état de physicien à celui de pilote d'essai. Ce qui aurait pu être amusant si j'avais su piloter. Heureusement, je suis aidé par Al, mon ange gardien, qui me suit depuis le début. Malheureusement, Al est un hologramme et je suis le seul à pouvoir communiquer avec lui. Alors voilà, bon, je vais revenir allez, brièvement sur le pitch, le professeur Sam Beckett qui teste le voyage dans le temps, sa merdouille, il part tout seul, on ne le retrouve pas, et il y a son équipe dans le futur du passé, puisque la série se passe... 99. Donc voilà, il est aidé par Al, qui est quelqu'un qui est resté dans son futur, mais qui lui apparaît comme un hologramme, et à chaque épisode, Sam Beckett se réincarne en une personne, d'ailleurs qui a un tournant de sa vie, c'est souvent quelqu'un qui a fait un mauvais choix, et dans le futur de 99, il y a l'ordinateur de bord qui dit à Al, attention, cette personne a 80% de chance de mourir dans un accident. De voiture, et Sam Beckett va changer, va essayer en tout cas de changer le cours du temps. La série est principalement composée de ce qu'on appelle des stand-alone, donc c'est des épisodes qui ont un milieu, un début, une fin, c'est pas un feuilleton, c'est pas forcément les épisodes les plus passionnants, même si ce qui est assez intéressant dans cette série, c'est qu'il va croiser des personnalités, notamment Elvis Presley, il va croiser Stephen King Michel quand Sardou. Il est petit, Michel Sardou quand il est mort, qu'est-ce que je raconte moi ? Ça fait bien longtemps. Donc voilà, il va se retrouver incarné aussi dans le garde du corps de Marilyn Monroe, dans voilà, plein de petits personnages qui sont super intéressants, et je disais, à la limite, les 90% des épisodes au jour d'aujourd'hui, il y a 5 saisons, on s'en fout un peu, ce qui assez génial, c'est à partir de la saison 4, puisque Donald Bellisario, qui est le créateur de la série, le showrunner, pour un petit peu faire « je connais mon métier ». Le montre-coureur. Le montre-coureur, sponsorisé par showrunner. Donald Bellisario se retrouve face à un dilemme à la saison 4, parce que la chaîne NBC lui dit « voilà, au début, on t'a commandé une série un petit peu sympa, familiale et tout, on s'en fout, maintenant il y a Star Trek Enterprise en face, on veut de la SF ». Alors lui, il est un peu emmerdé. Et il va commencer à y mettre pas mal de mythologie. C'est-à-dire que Sam Beckett va se retrouver notamment face à son double, une sorte de double maléfique. Lui, quand il permute d'un corps à l'autre, il y a une sorte de petite aura bleue. Vous êtes très sage, du coup. Et elle, c'est des auras rouges, en fait. Ouais, c'est une aura rouge, et on se rend compte... Zora la rousse. Zora l'exploratrice, ouais. Oh là là. Zora White, tout de suite. Ah. Encore une réflexion. Rêve de cuir. Ils ont fait un peu la même chose dans Sliders, avec au moins, il y avait des voyageurs avec des portails rouges, machin. Ouais, voilà. Il y a beaucoup de points communs entre les deux séries, c'est vrai. Et d'ailleurs, je pense que vous avez tous une théorie, puisque le dernier épisode est vraiment celui qui a porté le plus sa confusion. Alors, il se retrouve dans un bar et... Spoiler alert. Il se retrouve dans un bar et il va rencontrer plein de gens dans ce bar un petit peu étrange, des gens dans lesquels il s'est incarné et le serveur du bar, on suppose que c'est Dieu. Alors voilà, il y a toute cette petite théorie. Moi, je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas ça. Qui disent qu'il est mort. Qui n'est jamais rentré chez lui. Je pense que c'est Magnum. En fait. C'est Magnum, tu crois? Dieu est Magnum. Mais sérieusement. Dieu porte une chemise hawaïenne. Donc voilà, mais en tout cas, pour vous donner envie de revoir cette série, je vous dis pour notamment la 5e saison qui est vraiment géniale,
Donc vous pouvez la télécharger tout de suite. Peut-être mater directement la cinquième saison. Alors. Voilà, directement, zapper. Regardez le dernier épisode. Allez, on va passer à autre chose, c'est qu'on va retrouver notre ami Stéphane Gallo. Stéphane Gallo, vous vous rappelez, c'est le monsieur avec la boîte Grand Corps Malade qui, pour nous, fait du jeu de rôle et du jeu de plateau. Et cette fois-ci, on l'a envoyé au cœur d'un inside, puisqu'il s'est retrouvé au cœur d'un Grandeur Nature, un GN pour les intimes. Plongé au cœur d'un grand événement, voici l'inside. Le GN, ou jeu de rôle Grandeur Nature, nourrit beaucoup de fantasmes. Accompagnons Stéphane et Camille pendant le GN Grey Line 2, une plongée dans un monde post-apocalyptique, ou post-apo comme disent les intimes, qui a réuni une quarantaine de participants pendant tout un week-end. Salut. Alpa, Mocha, la caravane UPS. Bonjour, Alpa. Ici, Stéphane, accompagné de Camille, notre cadreur, seront les frères Chino. Qu'est-ce que c'est que ça ? On est sur une zone de fouille. C'est l'objet que doit ramener un archéologue. Donc si on avait la compétence archéologie, on pourrait se charger avec ce truc plein de bousin, le ramener au bar et se le voir transformer en un objet super classe. Mais nos petits gars n'ont pas la compétence archéologie, donc on continue notre balade. Mais en fait, on est au cimetière et si tu regardes, on a un deuxième objet ici. Avez-vous des choses à vendre, à acheter ? On a des choses à vendre ? J'ai 4 sérums à vendre. Je vends aussi des baumes à 2 crotches. Je suis médecin. Une seringue, ici. Pas d'arme. Une arme dans sa poche ? Non. Là, d'ici là... Récepteur pour communiquer avec mon frère. Il enregistre tout pour qu'on puisse témoigner de la vie en post-apocalypsia. Tends ta main que je puisse compter les crotches. C'est honnête. T'es en joue, mec. Je sais. Allez. Joue là honnêtement, c'est bon. Bon voyage aussi. Donc voilà une faction dont on n'avait absolument pas entendu parler. Soit des nouveaux venus, soit des PNJ. Les PNJ travaillent avec les organisateurs. Ils tiennent différents rôles, heure après heure, pour donner de la vie au monde. Les tristes conséquences de la guerre et des attaques. 2 décès ici, plusieurs blessés là-bas. Bon, allez, on va commencer le boulot. D'abord, il va nous falloir des piqûres de sérum. Tu peux faire quelque chose ? Je peux tenter ma chance. C'est pas gagné. Il est dans un sale état, mais ça peut marcher. Oh ! Et ça, a priori, ça peut le réveiller si derrière on enchaîne avec un message cardiaque. Et voilà. On va tenter de le réveiller, on verra dans quel état il est. Et... Action ! Action ! Action ! Le dé, 6 réussites totales, il est guéri. Je vais taper les decks. Je te fais une piqûre. 4. Alors, dans combien ? 4 pour le sérum, et après j'ai réparé le reste. Ça va nous faire un total à 15. 15 ? 15 ! J'ai 7 moi. Non, 4, il donne 7. Attends. On a soigné quand même bien 3 personnes. Non, ça va, c'est vrai, vous nous avez bien. On lui a remis le bras à la jambe. Je te donne même si j'ai 15 sur moi, je te donne 3. Ça marche, je compte sur toi. Pendant que nos reporters en mission explorent et prospèrent, leurs compagnons de caravane UPS font du commerce avec les PNJ des membres de C2A qui tentent de monter une éolienne. Sans elle, il n'y aura pas d'éclairage ce soir. Mais retour à nos héros. Je vois que tu viens de trouver
un super message. C'est notre premier. Et c'est... Si vous n'avez pas de masque à gaz, prenez un papier. Donc c'est notre premier et a priori ça pue. Hein. Là, on vient de se choper la vieille lèpre. La maladie du mort qui marche. Les gens qui ont cette maladie vont leur peau se dessécher, se craquer puis tomber en lambeaux. En même temps, leurs extrémités deviennent insensibles à la douleur pour une heure si c'est tombe. Et voilà, les conséquences de la lèpre. On m'a soigné, mais j'y ai perdu des doigts. Donc voilà, je suis comme ça pour la fin du week-end. La seule autre solution, c'est que je trouve une prothèse, auquel cas on m'amputera de la main pour me mettre une prothèse. Dans le prochain épisode. Oh la classe, Steph. Il est classe. Ouais. Un autre qui est très grandeur nature, Rurik Salé. Rubrique cinéma avec Rurik. Et oui, comme tout le monde le sait, la Corée, c'est l'autre pays du fromage, bien sûr. Et j'ai trouvé un petit film publicitaire vantant les mérites de ce pays. Regardez-moi ça. Donc ça, c'est s'appelle The Host. C'est un méga blockbuster de la mort de la Corée. C'est vraiment l'un des plus gros succès. Je ne sais plus si c'est le plus gros succès, mais en tout cas, c'est l'un des plus gros succès du box-office coréen. C'est complètement délirant. Et c'est vachement bien. Alors, mais moi, je l'ai découvert, j'ai adoré ce film. C'est une bombe atomique. C'est dingue. Et c'est vraiment un film qui, à la fois, va plaire aux gens qui aiment les films de monstres, et les cahiers du cinéma eux-mêmes, ils sont un peu plus sérieux, l'ont mis dans leur top 10 ou leur top 5 des meilleurs films étrangers de l'année à l'époque. Pareil au Japon, c'est complètement fou. Je veux dire, ils tapent sur tous les tableaux parce qu'il plaît à tout le monde. D'abord parce qu'au niveau spectacle, c'est fou. Au niveau politique, c'est très orienté. Il faut savoir que même la Corée du Nord, c'est la Corée du Sud évidemment, la Corée du Nord est fan de ce film. Pourquoi ? Parce que c'est un film qui critique quand même clairement et pas toujours très finement les États-Unis, bien sûr. Quoi ? C'est... Ouais. Mais si, mais il faut le dire. Ils le disent très bien. Ils ont osé. Alors l'histoire, pourquoi ? Parce que c'est assez marrant. Au départ, ça commence dans un petit labo, c'est un petit peu maladroit. Il y a un scientifique américain et un scientifique coréen qui est visiblement son assistant. Et le scientifique américain décide de balancer des produits toxiques dans les égouts, donc dans la rivière, c'est la américain. Voilà, dans la rivière de Séoul. Et puis l'autre il fait mais c'est pas possible, mais si, on s'en fout. limite critique, je suis américain, je suis un méchant. Et du coup ça crée une espèce de bête incroyable qu'on a pu voir et qui fout la merde dans Séoul et qui va d'ailleurs capturer la petite fille d'une famille un petit peu dysfonctionnelle. Et donc la famille va s'unir pour aller chercher dans les égouts la fille capturée par le monstre. Voilà. Il y a quand même cette scène assez représentative du côté ultra politique du truc, c'est que à la fin ils se battent contre le monstre à coups de cocktail Molotov. Donc il y a des gaz lacrymaux partout, ça fait très révolutionnaire, etc. Pourquoi c'est vachement bien? Très vite, parce qu'il reste à peu près 25 secondes. Et tu vas t'autodétruire. Et je vais m'autodétruire bientôt, parce que c'est ce que la Corée peut faire, c'est-à-dire un blockbuster à la qualité visuelle est aussi incroyable qu'à Hollywood, mais avec une âme hallucinante, puisqu'il y a des gens qui meurent en film, on ne pourrait jamais s'y attendre à Hollywood. Il y a des retournements de situation complètement fous, une fin qu'on n'attend pas, et ça fait rire, ça fait peur, c'est impressionnant, c'est un putain de film. Moi, personnellement, ça m'excite un peu. Un petit mot sur le réalisateur. Ouais, c'est Bong Joon-ho qui était devenu vraiment une star de la réal en Corée avec Memories of Murder, qui a enchaîné avec ce truc-là, qui a eu un gros budget, qui est complètement délirant au niveau des trucs. Voilà, Bong Joon-ho, c'est aujourd'hui devenu un réalisateur majeur, et il a notamment fait, parce que je suis moins fan de Mother, son film d'après, un sketch incroyable du film incroyable Tokyo, avec un autre sketch de l'Oscar, c'est le premier sketch, et signé Michel Gondry. Et il a mis en scène, il faut le dire, la fille de Steven Seagal. Ah, tu as réussi à placer Steven Seagal. Toujours. Je ne sais pas si la personne que vous allez découvrir juste après va réussir à le placer dans son interview carrière, ça j'ai vraiment un doute, mais en tout cas, tout de suite, interview carrière. Ne bougez pas, c'est le moment de l'interview carrière. Mesdames, il est d'origine italienne, il est beau, il a une voix teintée d'un léger accent et il est adulé par toute une génération de fans de BD. Voici le talentueux Enrico Marini. Considéré comme l'un des plus doués de sa génération, on lui doit certaines séries emblématiques telles que Les Aigles de Rome, Rapace ou encore Le Scorpion. Nous l'avons rencontré à Strasbourg, le festival européen de la BD de Strasbourg. Comment as-tu démarré ? Alors j'ai débuté il y a bien longtemps, il y a plus de 20 ans là maintenant. Je me suis mis au dessin surtout
à dessiner chez moi, donc c'est une sorte de plus autodidacte. Et moi, ça m'intéressait beaucoup de faire la bande dessinée déjà à l'époque. J'avais commencé à 16 ans déjà à proposer d'ailleurs aux éditeurs mes premières planches de bande dessinée. J'avais même proposé de reprendre la série Comanche de Herman. J'avais vu un article qu'il arrêtait et j'avais 14 ans, il me semble. Et j'ai envoyé des dessins et ils m'ont pas pris. C'est fou, hein. Et c'est pour ça que je ne signe pas chez Lombard. Je l'ai dit là, voilà, c'est fini. Jamais. Eh ben alors, chez Lombard, on traumatise les ados de 14 ans? Mais qu'as-tu ressenti en voyant ta première BD éditée? Donc ce qui était formidable, c'était déjà la recevoir une fois imprimée chez moi. Ça, c'était génial, évidemment. Voir un peu son bébé et tout, mais en même temps, j'étais très déçu par les couleurs. Évidemment, on voit tout de suite les erreurs, on voit soit les conneries qu'on a fait soi-même, soit voilà, il y a peut-être des problèmes d'impression, ou soit c'est trop foncé, trop clair, les couleurs ne sont pas tout à fait bien calibrées comme on en pensait, mais ça reste quand même toujours beau d'avoir le bouquin, l'objet final dans ses mains, le produit final, quoi. Parce que quelque part, c'est pour ça qu'on en bosse, donc de le voir fini, c'est ça. Ce qui compte, c'est le résultat. Parfois, voilà, on a une idée en tête, mais c'est quand, à l'écriture, pareil, hein, et finalement, on n'arrive pas à concrétiser ce qu'on aimerait ou ce qu'on a en tête, ce qu'on voit comme film. Moi, j'ai besoin beaucoup plus de temps qui passe avant de vraiment apprécier ce que j'ai fait et de voir peut-être, voilà, d'avoir une distance pour relire ce que j'ai fait et pour l'apprécier. Parmi la trentaine d'albums que tu as sortis, lequel est ton préféré? Bah, financièrement voilà. Les deux. Bah, je pense que Le Scorpion, à ce moment-là, oui, mais parce qu'il y a 10 albums bientôt. Là, le 10e va sortir en novembre. Oui, je ne vais pas dire combien. Mais voilà, on a construit une maison. Mais ça a mis aussi 10 ans. Donc voilà, il y a du temps. Si on prend juste émotionnellement, je pense que le plus, c'est certain. Chaque homme m'a apporté des choses. Hein, donc, et je prends mon pied pour le moment à faire mes propres trucs. Donc Les Aigles m'apportent un peu moins d'argent, mais beaucoup de plaisir. Qui t'a inspiré dans ce métier ? Je pense que les personnes qui m'ont le plus aidé, c'est les auteurs que j'ai toujours admirés. C'est-à-dire les auteurs que je lisais quand j'étais gamin et que je lis en... Voilà, c'est les auteurs qui m'ont inspiré, c'est des gars comme... des grands auteurs comme Giraud, Herman, Otomo aussi à un moment, c'est des Bernet, Alfonso Fonte, il y en a plein. Donc moi, quand j'avais des problèmes, je regardais leurs trucs, je feuilletais les bouquins, j'essayais de comprendre les solutions qu'eux avaient trouvées à des problèmes que moi j'avais aussi. Donc voilà, c'est ça. J'avais pas un mentor ou quelqu'un ou j'ai jamais travaillé, j'ai jamais été assistant de quelqu'un. J'aurais aimé d'ailleurs, mais ça s'est pas reproduit. Donc voilà. Qu'est-ce qui est le plus difficile à dessiner? Ah là, je viens de taper le Vatican, la basilique de Saint-Pierre. C'était une galère, pas possible. Le scénariste m'a écrit 20 pages dans ce lieu. Et je sais pas ce que je vais lui faire quand je le vois la prochaine fois. Non, mais c'était vraiment très pénible. Donc j'ai essayé de trouver des solutions pour tricher. Parce que sinon, on devient fou. Ouais, je triche. Oh merde. Parce que si tu dois dessiner tous les détails et tout, ça c'est très épuisant et t'en termines jamais. Je suis moins généreux que certains. Et tous les moines qui vont avec, tous les moines, les évêques, les cardinaux, j'en peux plus. Donc j'espère que le prochain Scorpion se passe ailleurs, sans évêque, sans moine, sans... Voilà. Dessiner toutes ces robes, c'est fatigant, voilà. Je le trouve pas si mal, hein, finalement. Il est rigolo.
te passer une petite feuille ? Ouais, bah oui. Avec Enrico, plongé aux côtés d'un trafiquant de reliques du 18e siècle en Italie avec le scorpion, ou encore dans la vie secrète des vampires, dans Rapace. Son côté geek aidant, il a même donné le visage de Sean Connery à son héros de l'Étoile du désert. Je pense que j'ai fini. Rendez voilà, copie. La fin de carrière de Marini, c'est ça. Voilà. Pour plus ou moins geek, on vous pardonnera. Nous allons laisser Enrico Marini à ses bandes dessinées. Je vais me tourner vers Albert pour lancer un petit jeu pour savoir qui enchaîne dans cette émission au buzzer. Quelques indices. Le premier porte une chemise hawaïenne et le deuxième a les cheveux longs et ce n'est pas Erel. Rurik ? Rubrique jeux vidéo avec Fred et Seb. Moi, je vais parler de point and click parce que je trouve qu'en choix. Oui. Et d'ailleurs, je vais en parler avec cette tasse qui me donne l'air intelligent, tu vois. Peux-tu point and cliquer avec ce truc ? Voilà. Alors, un point and click, je suis désolé, je dis un point and click parce que personne ne dit pointer et cliquer, ça veut dire de la pétanque. Et mon premier point and click, c'était Indiana Jones, la dernière croisade, je crois, c'était sur un vieux PC. Enfin, j'avais joué chez des amis. J'adore. Donc, il y a des point and click super célèbres, il y a Monkey Island, enfin voilà. Et là, je vais parler de Discworld, donc qui est tiré des Annales du Disque Monde, qui est une œuvre de Terry Pratchett. Les Annales du Disque Monde. C'est Disque Monde qui est à retrouver. C'est la littérature. Et donc, que tu ne vas pas nous parler, parce que tu ne l'as pas lu. C'est voilà, exactement. Je tenais juste à dire qu'il ne l'avait pas lu. Le livre qu'il n'a pas lu, c'est celui-là. Voilà. Donc, le jeu a été développé par Tiny Winnie Game et Perfect 10. Alors, ça a été édité par Signosis. C'est sorti sur PC et sur PlayStation. Signosis, c'était une putain de boîte de jeux avant ça. Ouais, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, je t'avoue. Bonne question, parce qu'à l'époque, c'était synonyme de qualité incroyable. C'est vrai. Ben, je me souviens du logo avec la chouette encore. Ouais. Voilà. Shadow c'est sorti en 95, donc. Alors, les Annales du Disque Monde, bon, je raconte brefement le pitch général, en fait. Donc, c'est un disque, c'est un monde en forme de disque, en forme de cloche, un peu comme les cloches qu'on secoue avec de la neige, vous savez, là. Et donc, qui est porté par quatre éléphants, qui est lui-même porté sur une tortue géante qui navigue dans l'espace. D'accord. Donc, c'est... Les romans de Terry Pratchett sont vraiment géniaux, en fait. Moi, je les aime beaucoup, parce que c'est vraiment bourré d'humour. Il y en a sur les boules à neige, en plus. Ah bon, je ne savais même pas ça, tu vois. Et donc, là, justement, là, en fait, le jeu Discworld est tiré de Oge, je crois. Okay. C'est Guards en anglais. Ouais. Sauf que la différence, c'est qu'en fait, parce que le personnage principal, c'est Rincevent, mais Rincevent, normalement, n'apparaît pas dans ce livre, parce que c'est Samuel Wimmer. Samuel Wimmer, voilà. C'est le capitaine du guet, en fait, mais c'est le guet de nuit. Qui... Voilà, et donc Rincevent apparaît là-dedans, c'est le héros, sauf que normalement, il n'est pas dans le livre. On peut peut-être le voir en extrait image. Oh, oui, on va le voir en extrait image, merci, parce que j'avais oublié. Albert. That doesn't work. Hi. Do you mind if I monkey about in the library for a while? Alors, je réexplique ce que c'est un point and click. Alors, un point and click. Un point et cliqué. Ça veut dire, en gros, c'est un jeu assez lent. Hein. Il y a rarement de phase d'action dans un point and click. Je veux dire, pointer et cliquer, maintenant tu es moi. Quoi. Et donc, en gros, voilà, on balade la souris, on ramasse des objets, on combine des objets entre eux pour avoir de nouveaux objets. Ça nous fait avancer dans l'histoire. Les Chevaliers de Baphomet étaient aussi. Les Chevaliers de Baphomet, c'était un excellent. J'ai joué un jeu vidéo dans ma vie. Et donc, voilà, le héros, c'est Rincevent. Alors, donc, c'est un anti-héros complètement. C'est un mage un peu naze qui sait rien faire. Enfin, voilà. Un mage un peu naze, on dirait du grand corps malade en fait. C'est pas mal. Et bon, je vais aller vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps de tout expliquer. Puis c'est un point and click, donc du coup le jeu est énorme. Il y a, je crois, il faut des heures et des heures de jeu. D'ailleurs, moi je l'ai fini avec une soluce parce que c'est très dur en fait. Ah, ben, oui, mais parce qu'en fait, c'est-à-dire qu'il y a des. Les énigmes sont absurdes quoi. Les énigmes sont absurdes parfois et c'est complètement farfelu de réussir à savoir comprendre ce qu'il faut faire. Donc finalement, on se régale beaucoup plus à le faire avec une soluce. Le jeu est bourré d'humour, c'est vraiment de l'humour anglais. D'ailleurs, la voix, tu m'as. On en parlait, c'est Eric Idle des Monty Python. Hein. Ouais. Et donc voilà, c'est vraiment bourré d'humour, il faut y jouer. Un peu long quand même, et c'est très dur, surtout du fait que, comme tu dis, il y a des énigmes. À l'époque, c'était très dur, les points de click. Ouais, c'était carrément très dur à l'époque. Et donc, justement, c'est pour ça que la phrase That doesn't work, c'est la phrase que tu entends le plus, parce que c'est le truc quand tu fais des combinaisons d'objets que tu sais pas quoi faire, alors tu combines la tasse avec le pot de moutarde en espérant que ça fasse avancer l'histoire, parce que t'es complètement perdu. Et des fois, ça marche au hasard. Et des fois, ça marche. Des fois, tu fais une combinaison complètement conne et elle marche. Et donc, voilà, enfin, moi, en tout cas, je sais que je suis bloqué à un endroit parce que j'ai fait une connerie. Et du coup, j'arrive même avec la Solus, j'ai fait un truc qui n'est pas prévu dans la Solus, du coup je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais en tout cas je vous conseille d'y jouer, c'est vraiment un jeu excellent. Eh ben écoute, ça me permet de faire un lancement assez fabuleux, top 3 du lancement. Peut-être auras-tu la solution dans l'enquête geek, car c'est le moment de l'enquête geek.
N'allez surtout pas aux toilettes. Voici l'enquête geek. Toujours pas officiellement élevé au rang d'art, alors que c'en est clairement un, le jeu vidéo est partout, tout le temps, de plus en plus. Il y en a pour tous les âges, toutes les catégories de joueurs, tous les goûts. Les affiches de cinéma en 4x3 dans le métro se voient détrônées par la multiplication limite insectoïde de campagnes de promo aussi burnées que tout le casting d'Expendables réuni. Tout ça, oui, ce sont des faits avérés, mais le jeu vidéo n'est pas encore un art, désolé. Or, la danse, oui, c'est un art. C'est même le 6e art, je me suis renseigné, t'as vu ? Alors, quand la danse et le jeu vidéo s'associent, ça donne de l'art ludique, tout simplement. Eh oui, monsieur, je suis un penseur, moi, que voulez-vous ? J'élabore des concepts, c'est mon dada. Leur dada à eux, les fans de DDR, de Just Dance, et de danser en rythme devant des pixels. Enquête au cœur de Japan Expo Comic Con. Mais alors, les gamers danseurs, qui sont-ils ? Quels sont leurs réseaux ? Bah, y a à peu près tout le monde, hein. La plupart des personnes, c'est ça, qui ont déjà eu affaire à des jeux de danse, de rythme, de musique. Il y a beaucoup d'adolescentes, en fait, qui viennent, aussi de jeunes adultes. Donc il y a la communauté de DDR, qui a un autre jeu de rythme. Dance Revolution, qui se danse sur tapis. Et là, on a les... Parfois leur famille, oui. On a déjà vu des mamans, des petites filles jouer. Les enfants sont très réceptifs, comme ils voient les gens danser, ils les imitent. Et moi j'ai mis ma petite cousine là-dessus, elle en démord plus. Au rang des stars du genre, Just Dance, avec la bagatelle de 30 millions d'exemplaires et des brouettes écoulées dans le monde, sont en tête de file. Alors, quel est le profil type d'un gamer danseur ? Il y a déjà ceux qui sont attirés naturellement par la musique, qui viennent spontanément. Comme il y a des musiques récentes, tous les jeux contiennent au moins une musique récente. Mais il y a aussi ceux qui ont peur, qui ne se lancent pas. Ils suivent leurs amis. Et par exemple, c'est comme ça que je me suis lancée personnellement dans les jeux musicaux. C'est mon ami ici présent qui m'a lancé dans Dance Revolution. Et j'ai mis un pas dans le monde des jeux musicaux. Ah, vous savez comment c'est, hein ? Une soirée avec des amis et d'un coup, quelqu'un sort Dance Central et c'est l'escalade infernale du rythme vidéoludique qui s'empare de la jeunesse. Mais que fait Nadine Morano ? Et la plupart des gens viennent pour s'amuser entre eux, ils se retrouvent. À chaque convention, ils se retrouvent, ils jouent ensemble et c'est comme ça qu'ils tissent des liens. Et n'oublions pas que tous ces jeux permettent également de s'identifier à des idoles et de danser comme eux. Reproduire les chorés des Black Eyed Peas, de Will Smith ou même du tout-puissant Michael Jackson, c'est clair que c'est un petit peu plus excitant que les cours de danse de Madame Bourris au conservatoire municipal. Tiens d'ailleurs, je me demande, où le genre est-il le plus populaire ? Pour l'instant, la communauté la plus forte, elle est aux États-Unis. Parce que eux, par exemple, à l'E3, ils ont toujours les nouvelles versions en premier. Donc du coup, même si c'est quelque chose de professionnel, il reste toujours une plus grosse communauté, ils sont plus nombreux que nous. Mais nous, on commence progressivement à s'allonger. Mais ici, elle s'agrandit, notamment avec la Just Dance Team. C'est un regroupement de plusieurs personnes de différentes associations. Il y a des blogueurs, des responsables comme moi qui dansent, des animateurs, des danseurs professionnels. Et on est une vingtaine. Et on va essayer de passer le plus souvent possible sur des scènes, dans toutes les conventions possibles, pour essayer de promouvoir ce jeu vidéo. Et comme dans d'autres types de jeux, le dance gaming a ses stars. De vrais dieux du rythme capables de bouger leurs pieds sur Dance Dance Revolution à des rythmes ahurissants. Et donc toi, tu es un pro du genre. C'est le niveau au-dessus. Moi, j'ai commencé par là. Donc je joue en expert sur cet tapis là-bas. Ancien quatrième de France l'année dernière. Mais maintenant, je préfère danser réellement que sur un tapis. Grâce à ce jeu. Parce qu'il y a moins de compétition aussi, on est vraiment là pour donner du plaisir aux gens et leur faire découvrir ça. Ah, la transmission du savoir, des gens qui donnent de leur temps pour initier les novices et partager avec le plus grand nombre leur passion pour ce type de jeu. Allez, c'est parti pour une petite choré sur du bon et M hein, pour nos chroniqueurs que nous appellerons pour l'occasion, je ne sais pas moi, David Swayze et Nico Travolta. Oui, ça leur va pas mal. Impressionnant, hein ? Tout aussi impressionnante la déclaration de Ubisoft qui affirme que les joueurs de Just Dance passent facilement 23 millions d'heures par jour à danser devant la télé sur 7,5 millions de chansons. Donc, David et Nico, il y a du boulot, hein, les cocos. Thank you.
votre chroniqueur. Série télé a battu histoire. La révérence. Va-t'en, gueux. Revanche, le rayon. Gageons qu'avec l'arrivée prochaine de la nouvelle génération de consoles, les jeux de danse continueront longtemps de faire bouger le monde et offriront enfin à Rurik un Just Dance spécial Sepultura. Va vraiment falloir que je t'apprenne. Eh ben écoute, on a quelques secondes. Tu veux peut-être 15 secondes, Rurik, le temps que je m'entraîne? Je voulais juste dire qu'un jour, j'ai joué dans un petit concert acoustique au Japon et tout, il y avait 2-3 personnes. Quand j'ai fini de jouer, j'ai rangé ma guitare. Il y a 100 personnes qui sont arrivées et qui se sont mis à danser sur les trucs des jeux vidéo, tous en robot comme ça. Je les ai détestés. Très bonne anecdote. On va rester dans l'univers du Japon puisqu'on va passer au cosplay avec la charmante Yumi. Rubrique cosplay avec Yumi. Salut à tous, aujourd'hui, 4 indices pour découvrir mon invité du jour. Indice numéro 1, c'est un PDG d'entreprise. Indice numéro 2, il est riche et égocentrique. Indice numéro 3, c'est un inventeur de génie. Indice numéro 4, il combat le crime. Je vous laisse 2 secondes pour réfléchir. Je crois qu'il est temps pour moi de découvrir mon invité du jour. Bonjour. Bonjour. Donc avant de découvrir ta véritable identité, comment est-ce que je dois t'appeler ? Dorian. Dorian, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Des études d'architecture. J'ai obtenu mon bac il n'y a pas très longtemps. Donc je pense qu'il est maintenant temps pour nous tous de découvrir la véritable identité de Dorian. Donc tu vas nous parler un peu de ton cosplay ? Oui, je vais vous présenter ça. Donc voici un bras, donc partie biceps et avant-bras. C'est quelle matière en fait que Alors, tu utilises ? Alors de la tôle d'aluminium très très fine, donc 1 mm, pour pouvoir la tordre manuellement. Mm-hmm. Donc je commence d'abord par des croquis, donc c'est les calculs d'échelle, les mesures à prendre, etc. Donc tu prépares en fait tout un carnet avec des croquis différents. Tu prends les images de référence ou tu regardes le film plusieurs fois entre passant toutes les scènes. Il y a un petit peu des deux. Donc en fait tu t'es inspiré de tous les films Iron Man. Exact. D'accord. Et pourquoi t'as choisi Iron Man d'ailleurs ? Ah, parce que grand fan de Marvel et DC Comics depuis une bonne quinzaine d'années. Mm-hmm. Et j'ai apprécié ce qu'ils ont fait sur les films, les armures rendent très très bien. Donc je suis inspiré pour faire un super cosplay. Après je vois les chaussures de sécurité. Exact. Donc, t'as pris des chaussures... Chaussures basiques, basique. Taille 42, et j'ai adapté les plaques métalliques par-dessus pour être maintenu comme il faut, pour pas que ça s'enlève, tout simplement. Là, c'est les petites attaches, c'est ça ? Exact, les rivets. Les rivets. Donc, il y en a plusieurs formats, comme tu peux voir. Ça dépend des discrétions que je veux donner, si je veux qu'on les voit ou pas. Et pour attacher toutes les parties ? Alors, du sanglage. Des sangles ? Donc, des sangles, ça se trouve un petit peu partout. Sac à dos, on trouve ça un petit peu dans tous les magasins. Équipé et des clips, comme pour les sacs à dos. Donc un mâle, une femelle qui s'emboîte, et voilà. C'est mignon. D'accord. Et ça t'a pris combien de temps environ pour faire tout ça ? Environ 130 heures. Donc si tu veux peindre par exemple une armure en aluminium, oui. Tu utilises quoi, de la bombe ? Alors non. Alors il faut commencer par déjà limer la totalité de la surface. Il faut la poncer pour enlever la couche lisse, on va dire, de l'aluminium. Il y a une couche d'alumine, c'est le terme exact, et pour que la première couche d'adhérence adhère, ce qui est logique, pour après mettre une couche de peinture de carrosserie, plus un vernis derrière pour rendre la chose brillante. D'accord. Donc plusieurs étapes. Un peu comme dans le film, quand il dit « rajoute-moi de la carrosserie rouge ». Exact. Comme pour peindre une voiture, finalement. Alors, je voudrais remercier le groupe Avengers, et donc c'est grâce à eux que j'ai pu montrer tout ça. Ils se reconnaîtront et je les remercie énormément. Donc, peut-être que tu vas nous donner un petit conseil à ne pas oublier quand on veut faire un cosplay d'Iron Man. Alors, oui. Donc, essayer d'avoir un endroit très aéré, car les poussières d'aluminium et tout ça sont assez toxiques. Et il faut éviter qu'il y ait un contact avec la peau directe, car j'ai eu des réactions allergiques. Des réactions allergiques avec l'aluminium. Exact. Avec la poussière, c'est assez toxique. Et mettre de la mousse après que l'armure soit finie pour pas qu'elle soit en contact direct avec la peau. D'accord, donc c'est cette mousse-là, c'est ça ? Exact. Donc il y a un peu d'épaisseur quand même ? Oui, et porter un masque et aérer un maximum, ça peut être dangereux. D'accord, donc des gants aussi peut-être ? Des gants pour travailler aussi. Donc peut-être une astuce pour éviter de se couper, ça a l'air un peu... Il faut limer au maximum, avec une petite lime à métaux, le maximum possible pour ne pas se couper. D'accord. Tout ira bien.
Merci de nous avoir présenté donc ton cosplay d'Iron Man. Oui, en espérant que ça encourage les gens à vouloir en faire aussi. Car c'est pas si compliqué que ça, faut juste beaucoup de passion et beaucoup de temps. D'accord. Et pour finir, on va faire un petit récapitulatif chiffre du cosplay d'Iron Man. Le cosplay d'Iron Man, c'est 130 heures de travail, 154 pièces, une centaine de croquis et 20 kilos. Coupé. Il est temps de faire travailler un petit peu Albert, parce que c'est pas parce que t'as un ordinateur que tu dois rien foutre. Albert, c'est à qui ? Laurent, prenez votre plus belle pose. C'est à vous. Rubrique BD et roman, avec Laurent. Rubrique BD roman. Mmh. Avec Laurent. Ma rubrique s'appelle Ainsi, et je vais vous parler ni de BD, ni de roman. Quel escroc ! Je vais parler de nouvelles. Un genre assez méconnu, assez pelu. Les auteurs de nouvelles sont pas très connus. Et il y en a un qui est assez connu, c'est Harlan Ellison. Et il n'est pas forcément connu pour ses nouvelles, mais plutôt pour ses scénarios de films, de séries télé. Et Harlan Ellison, c'est lui. Regardez. The trick is not becoming a writer. The trick is staying a writer. And Kirk says with wonder, who are you? We are the guardians of forever. These are my extra typewriters. This is like an ammunition dump. Where does he get the energy? You stupid! You moron! Moi j'ai quand même une question, il y a 15 têtes. Qui est Harlan Ellison? C'est le vieux monsieur qui hurle, vous voyez, il est bien vénère, c'est un vieux monsieur, il est en train de... Ouais. Et j'aime bien le moment où on voit Robin Williams et où Harlan Ellison lui dit, ou je sais plus qui dit, ouais, on dirait un rack de munitions. Et en fait, c'est les machines à écrire d'Harlan Ellison, quoi. C'est pour montrer que c'est un vieux de la vieille, quoi. C'est un staccanoviste qui a écrit... Il écrit comme il pourrait tirer, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Il a écrit, combien il a écrit plus de 1700 nouvelles et novellas au fil de sa carrière, quoi. Donc, et c'est un des plus grands et respectés auteurs de nouvelles américains. Alors par contre, il est tout petit. Je pense qu'il est plus petit que Nicolas Sarkozy. On a vu la photo avec Kirk et Spock, il est tout... Oui, il est tout petit. Donc c'est un mec hyper vénère. Je disais qu'il est, à un moment, il est parti à Hollywood, il a écrit des scénars pour Star Trek, pour Alfred Hitchcock présente, notamment un épisode... Enfin, ça a été adapté dans un de ses romans qui s'appelle Les Barons de Brooklyn. Mmh. Un épisode avec James Cain. Il a écrit pour Babylon 5. Les agents très spéciaux. Il a écrit pas mal de... Et il a écrit... Enfin, un film a été adapté d'une de ses longues nouvelles-là qui s'appelle A Boy and His Dog, un garçon et son chien. Avec Doug Johnson. Voilà, exactement. Mais qui était ado, quasiment. Qui rencontre une femme qui a un funeste destin, dans ce film, d'ailleurs. Qui était ado. Peut-elle mourir. À mon avis, mais même, je peux pas spoiler. Regardez ce film, il est très étonnant. C'est un truc post-nuke. C'est un truc post-apo. Et en fait, je voudrais vous parler d'une nouvelle en particulier d'Harlan Ellison que je trouve magnifique, qui est sans doute un de mes textes courts préférés. Et Dieu sait si j'adore les nouvelles. Qui s'appelle Jeff T à 5 ans. Le titre original, c'est Jeff T is 5. Non, pas Mr. T. Hein. Et Jeff T is 5, on le retrouve dans le recueil La machine aux yeux bleus qui a été publié en France. Donc c'est traduit, vous pouvez le trouver sans problème dans vos librairies. Jeff T is 5, c'est l'histoire de Jeff T qui a toujours 5 ans. Tout le temps. On suit en parallèle. Rurik aurait dit c'est dément, mais voilà, le pitch est dément. On suit deux voisins, en fait, qui ont le même âge et qui, un grandit et l'autre pas. Donc Jeff T, lui, il continue à avoir 5 ans. Et là où ça devient. Testicule, quoi. Là où ça devient dément, c'est que Jeff T, lui, il continue à vivre dans le monde de l'enfance. Et donc son copain qui grandit, son petit voisin, revient le voir et se rend compte que Jeff T, il reçoit toujours les pulps qu'il lisait ensemble, des pulps qui n'existent même plus, mais il continue à les recevoir, il continue à écouter les émissions de radio du Shadow et tout ça, de Doc Savage, qui ne passent plus à la radio, mais lui, dans son univers, elle continue à exister. Et il se passe un moment... Voilà, Jeff T, c'est un peu le geek... C'est presque l'uchronie, en fait, dans l'esprit... Non, parce que c'est juste localisé sur Jeff T, si tu veux. Jeff T, c'est un peu le geek qui reste un enfance, qui, voilà, c'est la part d'entre nous de nostalgique, quoi. Et donc, son voisin revient, et il se passe un drame le jour où, en allant au cinéma, le voisin amène Jeff T au cinéma, et Jeff T tombe sur une vitrine où il y a 15 écrans télé qui diffusent les images du monde réel, quoi. Et là, Jeff T prend un choc énorme. Je raconte pas la fin qui est hallucinante de dureté, mais qui est en même temps très belle. Il y a une scène très belle où le voisin se met à pleurer sur son enfance, assis devant le perron de la maison de Jeff T, après qu'ils aient écouté une émission de radio de leur enfance ensemble.
C'est un texte sur l'enfance, sur... ce qu'on aimait quand on était enfant. Je pense que ça peut parler vraiment à chacun d'entre nous, à notre public aimé aussi qui nous regarde. Donc, on va enchaîner quelqu'un qui pleure aussi sur son enfance, peut-être de temps en temps, puisque c'est le tour de François d'entrer en scène. C'est le moment de découvrir un nouveau talent web. Alors aujourd'hui, vous allez découvrir La Ferme Jérôme, un mec super talentueux, mais qui a beaucoup de tendance dans ses sketchs. Quand il joue le rôle d'un réalisateur, eh ben, il met une casquette. Comme si tous les réalisateurs avaient une casquette. Alors que non, il n'y a que moi. Tout de suite, La Ferme Jérôme. Ces images-là. Ce sketch vous pose un homme, en l'occurrence deux, puisque derrière La Ferme Jérôme et ses 15 millions de vues se cache un duo, Jérôme face caméra et Axel est derrière. T'as quoi, toi? Moi, j'ai la tumeur à la gorge et la seringue, toi? J'ai les dents pourries, le mec qui bande pas. Oh, les chicots pourris, s'il te plaît. Raconte la seringue. Le cancer de la moustache aussi. Hein. Les deux? Ah ouais. C'est dur à la faire, hein. Merci. Chico pourri. Quel est ton parcours? J'ai officié un peu sur le net, ça et là, pour faire de la web radio. Et ensuite, une petite émission sur Cap 24 qui m'a donné envie d'être à l'image. J'ai rencontré Axel, avec qui je travaille aujourd'hui, sur une petite émission qui s'appelait Web Story, où ça parlait de Secret Story, où je me moquais des candidats. Donc c'était assez sympa. Et puis on a continué. Et là, La Ferme Jérôme a été créée en 2010. Et me voilà ici. Autre chose qui m'énerve quand je fais les soldes, c'est que systématiquement, quand il y a un article qui m'intéresse, il n'est pas soldé. Et t'as cette bonne vieille vendeuse qui est toujours là pour te le rappeler. Non, monsieur, c'est pas soldé, c'est la nouvelle collection. C'est-à-dire que tout ce qui vous plaît, tout ce qui a vraiment du style, bah, c'est pas réduit. Par contre, on fait une grosse réduction de moins 70% sur les cravates rouges, les chaussettes en alpaga et les bermudas. Chut, ça va bien se passer. C'est ce qu'on appelle passer la corde au cou de madame. Mais revenons aux prémices de La Ferme Jérôme. On a commencé à enregistrer dans le garage d'un pote, très sombre, avec un sommier en guise de fond, en fond gris. C'était très original. Et à l'époque, c'était pas beaucoup de vues, mais bon, on continue, on lâche rien. On était contents d'avoir 600 fans, c'était cool. Des débuts progressifs, certes, mais une vidéo a tout déclenché. Alors, une vidéo charnière, hein, si je puis dire, ça a été une vidéo qu'on a fait sur l'émission Carré VIP. Alors, dans le jeu, t'as les VIP qui sont un peu connus, mais qui se prennent pour des gens très connus, et t'as les non-VIP qui sont pas connus du tout, mais qui se prennent pour des gens encore plus connus que ceux qui se prennent pour des très connus, alors qu'ils sont pas connus du tout, par rapport à ceux qui étaient un peu connus. Mais après, comme on s'est fait supprimer d'autres vidéos, on a changé la conception de La Ferme Jérôme, c'est là qu'on a fait La Ferme Jérôme au métro, et etc. Et ça a bien marché aussi. Bien marché, c'est encore en dessous de la réalité, car la vidéo dépasse le million de vues. C'est tout droit. Celui qui affiche 130 000 abonnés YouTube, 230 000 fans Facebook et 45 000 followers, oui, 45 000, j'ai compté, c'est ça, est influencé par toute une nouvelle génération d'humoristes. J'aime beaucoup Chris Esquer, Arnaud de Samer, Gad Elmaleh, bien sûr, qui m'a fait beaucoup rire. Comment se passe la transition vers la télévision? La transition avec la télé, bah, c'est des propositions qui arrivent par rapport aux vidéos qu'on fait sur le net. Et puis on étudie tout ça. Il y en a qu'on a refusé des propositions. Et la proposition de MTV pour critiquer, pour se moquer des clips musicaux nous a bien plu. Jérôme, fort de plus de 100 vidéos, a franchi le cap de la télé avec son émission sur MTV où il s'attaque aux clips de stars. Soir, c'est pas le mardi matin ni dans l'après-midi, mais bien le samedi soir. Maintenant, je monte en haut et je vais sortir dehors. Combien de temps faut-il pour réaliser une vidéo? Ça peut s'étendre, ouais, sur 4 jours. Ça peut aller très vite, comme ça peut traîner en longueur parce que les disponibilités, le lieu à trouver, puisque nous, on va sur place, on reste pas dans le salon. Donc ça va beaucoup moins, ça va beaucoup... moins vite que de tourner dans sa propre chambre, quoi. Croises-tu souvent les autres créatifs du web? On avance tous ensemble, si tu veux. Il y a forcément... je sais même pas si on peut parler de concurrence, mais si on peut parler de concurrence, c'est une concurrence vraiment saine. Chacun élève un autre en faisant sa vidéo. Ok, alors tu veux tourner dans ma vidéo, en fait. On avance, je pense que pour l'instant, on avance bien ensemble et c'est vraiment cool.
Non, et puis c'est quoi ces habits, les mecs, là? Les polos, c'est pas possible! Attends, j'ai l'impression qu'il va me proposer une grande frite et un menu double cheese! Chez Wattie Burger, même si notre look laisse à désirer, nos burgers sont préparés chaque jour avec le sourire et dans le respect des mamans. Harry. Quelles sont tes envies pour l'avenir? Mon petit doigt me dit que c'est peut-être la comédie. Ouais, mes envies, c'est plutôt la comédie, effectivement. Vraiment, tendre vers la fiction, etc. Le cinéma, le but ultime, bien sûr. Voilà, donc je vous dis très bientôt, cordialement. Merci, monsieur, de manière volatile. Cordialement. La ferme Jérôme qu'on peut découvrir gratuitement sur Internet, mais il est peut-être l'heure de claquer un peu de pognon avec la rubrique de Franck, la shopping list. Tout de suite, la shopping list. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle shop... Oula, il y a quelque chose qui a changé ici. Ça doit être la position de ce livre. Enfin, je crois, hein. Il est un peu bizarre. Je le sens pas trop. Chez Ankama, vous aurez le droit à Dofus Monster. En plus, c'est un one-shot. Mais qu'est-ce qu'un one-shot? Vous me poserez la question. Eh ben, réponse tout de suite. Dans le domaine de la bande dessinée, en particulier un manga ou des romans graphiques, un one-shot, littéralement un coup, est une publication dont la trame se résout en un seul volume, par opposition au format série dans lequel une histoire fait l'objet de plusieurs épisodes. Si ça, c'est pas une émission culturelle, on va maintenant parler d'Assassin's Creed 3, le petit bijou d'Ubisoft. L'histoire va se dérouler pendant la Révolution américaine, et vous allez autant maîtriser les armes à feu que les armes blanches. Et c'est super classe. Vous voulez du geek? Oui, oui, on veut du geek. C'est bien ce qui me semblait. Eh ben, cette couverture avec un Space Invader dessus est faite pour vous. Ça raconte l'histoire de Under, un personnage qui a un moniteur dans la tête et qui est tracé par ses créateurs qui veulent faire de lui le plus grand général de tous les temps. Il y a deux choses qui me fascinent dans la vie. Les femmes et les toilettes. C'est énorme. C'est pour ça que j'ai choisi le bouquin du petit coin. Parce que vous pouvez vous instruire tout en étant aux toilettes. C'est super cool et je vais vous en lire un passage. Par exemple, la baleine bleue en chiffres. 30 mètres sa longueur, 600 kg le poids de son cœur, 170 tonnes son poids, mais c'est fou. 2 mètres la longueur de son... Oh la vache, c'est énorme. On va maintenant passer au massacre ou alors comment détruire notre enfance avec des prémices à la... Oh, excusez-moi, c'est sorti tout seul. Gaston devient Gastoun, hein, super. Et ensuite, Bidule se la joue sans Cubitus avec une BD solo. Voilà, donc autant vous dire que moi j'aurais pas aimé John au 21e siècle. Hein. Le retour de Dorian Gray. Déjà, je savais pas qu'il était parti. Enfin, bref, ça raconte l'histoire de révolution, de prise de pouvoir ou encore d'invisibilité. Et ça me fait rappeler qu'en Mozambique, on m'a appris à devenir invisible. Regardez. Quand The Shield et les 12 salopards rencontrent Jason Bourne, eh ben ça donne les seigneurs de guerre. Ça se passe en 2021, il y a des guerriers, des machines de guerre, de la guerre et de la guerre encore. CIA, le cycle de la peur, avec une phrase d'accroche qui est « Si la CIA tombe, l'Amérique tombe ». Donc j'ai l'impression qu'on fait beaucoup de bouquins sur tout ce qui est guerre, machin, truc bidule. Et moi, je tiens à profiter de mon statut de présentateur, justement, pour vous dire d'arrêter. D'arrêter la guerre, d'arrêter tout ce qui est un peu entretuement ou violement ou tout ce qui est très chelou. Donnez-vous la main, aimez-vous les uns les autres, aimez votre prochain tout comme vous pourriez aimer votre précédent. Enfin bref, l'amour est plus fort que la guerre. Ça, il faut l'apprendre, il faut le savoir. Chez Soleil, vous aurez le choix entre plein de BD. Par exemple, il y a les Brumes d'Aceltis, avec un peu de brume et un peu d'île flottante. Sinon, il y a les Chroniques d'Araor... Enfin bref. Ou alors, il y a les Naufragés d'Ithac. C'est super cool. Vous pourrez retrouver aux éditions Tonkam Tomie. C'est un manga un peu beaucoup glauque sur cette femme qui s'appelle Tomie, qui est très belle mais néanmoins très démoniaque. De toute façon, on ne le dira jamais assez, toutes les jolies femmes sont des... La boutique de la seconde chance. C'est un passionné de vieillerie qui va perdre sa mère mais qui va rencontrer une femme dans sa boutique. Qui sait, peut-être que la femme est la réincarnation de sa mère. Non, je déconne, c'est pas du tout ça. Ça va plus poser une question sur le sens de la vie. C'est un peu plus sérieux pour le coup. Chez Dupuis, vous pourrez retrouver des grosses intégrales pour les petits hommes. Donc certains d'entre vous connaissent, mais si vous ne connaissez pas, il est temps de l'acheter! Une autobiographie sur un auteur de bande dessinée, eh ben John vous propose ça aux éditions Lombard. Donc l'histoire est totalement barge et le style graphique est vraiment psyché. Vous voulez aussi un bouquin avec un style graphique super classe? Eh ben il y a Zizi, la chauve-souris, et je vous dis, ça fait zizir de voir ça dans le monde! Non mais sérieusement, c'est super bien peint, super bien dessiné, c'est à acheter absolument. Et voilà, la shopping list est terminée, vous pouvez toujours m'envoyer vos coups de cœur à cette adresse, et nous, on va retrouver l'équipe de Plus ou Moins Geek dans cet écran. Salut! On touche presque à sa fin, l'émission touche à...
Son sexe. Mais avant, oh mon Dieu. Mais avant, il est temps de vous mouiller un petit peu. Je vais vous demander à qui vous allez décerner. Oh. Bon, mon Dieu. Je vais vous demander chacun à qui vous allez décerner un petit plus, c'est-à-dire celui qui vous a donné le plus envie de découvrir la chronique de l'autre, RL. Moi, je fais tout Discworld et c'est vrai que celui-là, je ne l'ai pas fait de jeu, donc Discworld. Ben écoute, moi j'ai vu Zios, j'ai vu Code Quantum, donc ça a l'air un peu long, mais je vais peut-être le faire avec la Solus. Ellie aussi. Moi je vais peut-être m'intéresser à Roland Edison, parce que moi je crois qu'il avait juste inventé des ampoules ou des trucs comme ça, mais finalement... culturel, hein. Culturel, attention. Et, Fred ah pardon, je non, non, stop. Ça a l'air très touchant, donc tais-toi, chute. Ben moi, ça serait toi. Non, je déconne, pardon. On peut se donner des points à soi-même. Vas-y, encore un point à toi-même. Ben voilà, je me donne un point à moi-même. J'aurais pu dire RL parce que pour une fois, il n'a pas parlé. Mais j'avoue que ce que disait Laurent m'a l'air pas mal du tout. J'ai un peu de mal à Scott Bakula, même si cette série peut être rigolote. J'ai envie de m'intéresser à ce vieux monsieur. Ben, je crois que c'est toi qui gagne aujourd'hui parce que je te donne mon plus. Je te donne mon cœur et mon plus. C'est de l'amour pour Harlan Ellison. Voilà. Harlan, si tu nous regardes. Il y avait 3 contre 3. Merde. C'est Laurent qui gagne. C'est comme ça. C'est injuste. Albert, un petit mot pour la fin ? À la fin, il n'en restera qu'un. Donc il va falloir qu'on meure tous. Allez, plus ou moins geek, c'est fini. Je vous invite à poursuivre l'aventure sur les réseaux sociaux. Je ne sais même plus si on peut citer leur nom ou pas. En tout cas, il y a un Geekbook, il y a un Geekter, il y a une appli geek. Maintenant, vous pouvez nous suivre quasiment en live pendant que vous regardez cette émission. Je vous invite aussi à en parler tout autour de vous parce que c'est vous qui faites cette émission. Plus vous serez nombreux, plus RL pourra parler. Peut-être que les gens n'ont pas envie. C'est pas incitatif. Allez, donc, à très bientôt. Bye bye.